Il est fort probable que vous vous soyez déjà surpris en train de converser avec vous-même. Vous avez peut-être aussi observé d'autres personnes qui semblaient s'adresser au vide, discuter avec des murs silencieux ou se perdre dans des monologues intérieurs. Vous vous êtes sans doute demandé si ces comportements étaient des signes de déconnexion avec la réalité, d'intoxication ou même de folie. Mais prenez un instant pour réfléchir, le dialogue intérieur solitaire est une activité psychologique d'une importance capitale, capable de produire des résultats aussi bien bénéfiques que néfastes. Dans notre discussion d'aujourd'hui, nous explorerons en profondeur la pratique des dialogues intérieurs. Selon les enseignements de Neville Goddard, cultiver un dialogue intérieur positif et constructif peut transformer radicalement nos vies, les faisant passer de l'ordinaire à l'extraordinaire. S'engager dans un dialogue avec soi-même n'est pas un signe de perte de contact avec la réalité, cependant, s'il est mal orienté, il peut s'avérer préjudiciable. Lorsque nous prenons conscience du pouvoir créatif de nos conversations intérieures, le soliloque devient une habitude fascinante et avantageuse. Imaginez votre esprit comme une scène de théâtre où les pensées se jouent, façonnant le récit de votre vie. Nos dialogues intérieurs sont loin d'être de simples échos dans le néant, ce sont les graines à partir desquelles germent nos expériences futures. Tout comme un dramaturge crée une histoire, vous composez le scénario de votre vie avec votre discours intérieur. Tel un chef d'orchestre dirigeant un ensemble, votre esprit dirige la symphonie de la création, donnant vie à vos aspirations et à vos ambitions. Neville nous enseigne à emprunter des chemins fructueux et souligne l'importance de l'autodiscipline pour guider ces conversations. Nous devons endosser le rôle de metteur en scène de notre imagination, en la canalisant de manière à ce que la résonance du succès soit la mélodie dominante dans nos vies. Nous explorerons comment adopter une attitude délibérée peut nous aider à réécrire nos scripts mentaux, créant un cadre propice à la manifestation de nos désirs les plus profonds. Préparez-vous à plonger dans le royaume fascinant des dialogues intérieurs. S'engager dans un dialogue avec soi-même est une pratique innée, aussi naturelle que manger ou boire, ces échanges intérieurs sont inévitables. Cependant, nous avons le contrôle sur le ton et la direction de ces dialogues. Il est étonnant de constater à quel point beaucoup d'entre nous négligent l'influence profonde que ces conversations ont dans le façonnage des circonstances de notre vie. Au fond, ces conversations intérieures sont le fondement à partir duquel les conditions de notre existence émergent. Comme le dit le proverbe, tel l'homme pense dans son cœur, tel il est. Pourtant, nous sommes souvent inconscients du fait que nos pensées sont façonnées par des schémas enracinés à travers ces dialogues perpétuels. Pour orienter nos vies sur la voie que nous souhaitons, il est impératif de nous libérer des chaînes des anciens dialogues. Dans la Bible, cela signifie se dépouiller du vieil homme et être renouvelé dans l'esprit et la pensée. Nos paroles reflètent nos pensées. Pour modifier nos pensées, nous devons d'abord transformer notre discours, c'est-à-dire les conversations mentales que nous entretenons avec nous-mêmes. Le monde que nous habitons est une vaste toile de possibilités pour la transformation mentale. Chaque manifestation dans nos vies est intimement liée aux dialogues intérieurs auxquels nous participons involontairement. En tant qu'êtres conscients, nous avons la responsabilité d'être attentifs à ces dialogues et de nous y engager avec intention. Tenter de modifier le monde extérieur sans d'abord s'attaquer à notre discours intérieur est contraire à l'ordre naturel. Nous succombons souvent à des dialogues intérieurs négatifs, tout en aspirant à exercer un contrôle sur nos vies, sans réaliser que ce sont ces mêmes dialogues qui engendrent nos malheurs. Nous pouvons nous retrouver piégés dans un cercle vicieux, en blâmant les forces extérieures pour nos maux au lieu de reconnaître la véritable source en nous. Nos expériences extérieures reflètent nos dialogues intérieurs. L'objet de nos réflexions intérieures se manifeste dans notre réalité extérieure. Lorsque nos pensées et nos croyances, qui dominent nos dialogues mentaux actuels, sont imprégnées de négativité, elles projettent des ombres dans notre avenir, émergeant sous forme de déclarations vaines ou destructrices. Ce qui compte, c'est notre conduite présente, même si ces répercussions ne sont pas immédiatement visibles. Le changement n'est pas convoqué par des cris, mais par une concentration intérieure intense, manifestée par une écoute vigilante.
les événements et les relations de notre vie reflètent notre état intérieur. Parler intérieurement à partir d'un lieu de désirs accomplis est la pierre angulaire de la création délibérée. Nos dialogues intérieurs prennent constamment forme dans les événements que nous observons autour de nous. Pour percevoir la réalité que nous convoitons extérieurement, nous devons d'abord la conceptualiser intérieurement. Maîtriser l'art du discours intérieur délibéré invite à l'exaltation de déclarer hardiment nos intentions avant qu'elles ne se réalisent, renforçant notre conviction en leur réalisation future. L'utilisation consciente de l'imagination nous donne le pouvoir de canaliser l'immense énergie créative de nos discussions intérieures des plans mental et émotionnel vers la réalité physique. Vos ambitions doivent résonner avec votre discours intérieur. Pour que vos objectifs se réalisent, il doit y avoir une harmonie entre vos dialogues intérieurs et le résultat envisagé. C'est un principe fondamental que deux ne peuvent marcher ensemble s'ils ne sont pas en accord. Ainsi, votre discours intérieur doit refléter la réalité que vous aspirez à réaliser. Le bon type de dialogue intérieur est celui qui fait écho à la réalité d'un idéal accompli. La sagesse ancienne nous parle de deux dons accordés à l'humanité, l'esprit et la parole, offrant tous deux une forme d'immortalité. Lorsqu'ils sont maniés avec discernement, ils nous transportent vers des expériences divines, transcendant les limites du physique. Au commencement était la parole, et la parole était avec le divin, et la parole était divine. La parole est la progéniture de l'esprit, elle incarne les sens vibratoires, résonnant dans l'univers et attirant dans nos vies ce qui correspond à nos fréquences intérieures. Nos dialogues intérieurs, à l'instar de la parole divine, sculptent l'existence que nous cultivons en nous et autour de nous. La fusion de la parole et de l'esprit insuffle la vie, comme l'affirment les enseignements anciens. Vous et votre dialogue intérieur ne font qu'un, transformer votre esprit implique de transformer votre conversation intérieure. Pour concrétiser vos désirs, assurez-vous que vos dialogues intérieurs résonnent avec la réalité que vous envisagez. Comme le dit l'Écriture, la parole est en nous, dans nos bouches et nos cœurs, nous donnant le choix entre la vie et la mort, les bénédictions et les malédictions. Nos pensées devraient se concentrer sur ce qui est pur et vertueux, car notre avenir est façonné par la parole sacrée. Que nos monologues intérieurs, comme le décrit la lumière de l'Asie, regardent les champs, car là le sésame avec le sésame, et le blé avec le blé, le silence et les ténèbres. Ces mots révèlent la vérité profonde que le destin de quelqu'un est dicté par la fidélité à son origine. Tout comme le sésame produit du sésame, les graines du succès doivent être plantées pour récolter une abondance d'accomplissement. Si nous aspirons au succès, nous devons semer dans nos esprits les graines du succès et vivre comme si c'était déjà le nôtre. L'essentiel réside dans les croyances que nous intériorisons comme vérité, pas nécessairement dans la réalité extérieure. Les circonstances extérieures pourraient initialement contredire nos croyances, mais avec une conviction inébranlable, elles finiront par se conformer à notre réalité. Les résultats suivent nos convictions, et non l'inverse. Nos dialogues intérieurs, silencieux pour les autres, exercent une influence importante sur nos conditions futures. Pour faire de nos idéaux une réalité vivante, nous devons définir qui nous aspirons à devenir et incarner pleinement le sentiment de nos désirs accomplis. Grâce à cette croyance imprégnée de foi, notre idéal trouvera son expression dans le monde tangible. Voyez-vous comme la personne que vous aspirez à devenir, inébranlable dans cette vision. La vie est une arène pour sculpter des visions à travers l'imagination. Exploitez ce pouvoir, et observez la vie se conformer aux contours de votre récit intérieur. Vos dialogues intérieurs révèlent si vous exploitez ou gaspillez cet instrument puissant. Le dialogue intérieur négatif, en particulier teinté d'envie et de dépit, plante les graines de futurs conflits et d'emprisonnement. Souvent, les gens s'accrochent à ces dialogues destructeurs, les utilisant pour rationaliser les échecs, critiquer les autres et se délecter de la joie malveillante, perpétuant la discorde dans le monde. Pour atteindre le succès, il faut abandonner les anciens dialogues du moi stérile et embrasser le nouveau discours du moi réalisé. Orientez vos dialogues intérieurs vers la positivité et la constructivité, en accord avec la personne que vous aspirez à devenir.
Ce faisant, vous jetez les bases d'un avenir plus prospère, atteignant vos objectifs avec moins de résistance. Cette métamorphose intérieure est le prix de la grandeur. Le moment est venu de prendre le contrôle conscient. Nous devons utiliser notre imagination avec intention et affection, en choisissant des mots qui résonnent avec nos idéaux. L'imagination transcende la simple fantaisie ou la rêverie oisive, elle devient le conduit de la réalité, la voie vers l'état que nous désirons, en incarnant son essence et en manifestant sa présence. L'imagination nous appelle à habiter nos rêves dans le présent, traversant les portes de l'instant. Lorsque nous imaginons des scénarios futurs comme des réalités actuelles, nous pouvons faire face à de la résistance. Cette résistance est un indice vital, attirant notre attention sur les obstacles potentiels qui entravent notre chemin vers le moi futur que nous recherchons, exigeant notre engagement conscient et notre concentration soutenue. Nos expériences présentes, qui peuvent nous déconcerter, sont liées aux dynamiques invisibles de nos dialogues intérieurs et aux états mentaux qu'ils favorisent. Saisir ce lien nous permet de surmonter les obstacles intérieurs et de concrétiser la transformation que nous désirons. Si nous rencontrons des circonstances défavorables, cela signale la nécessité de revoir notre régime mental. Tout comme l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole divine, nous devons nourrir nos esprits de pensées élevées et aimantes. Engagez activement l'imagination, pas seulement passivement. Élevez votre expérience sensorielle au niveau physique, visualisant avec vivacité ce que vous désirez voir, entendre et toucher, imprégnant votre état imaginé de détails réalistes. Cette imagination proactive allume en nous un esprit d'accomplissement et de réconfort, bien loin de l'acceptation passive des apparences superficielles. Imaginez-vous ailleurs comme si vous y étiez, transportant ce qui est futur dans le présent, forgeant un lien entre le futur et le maintenant. Visualisez-vous dans le cadre souhaité, incarnant la version de vous-même que vous aspirez à devenir. Façonnez vos dialogues intérieurs pendant cet exercice d'imagination. Si votre discours intérieur est cohérent avec ce que vous exprimeriez et incarneriez dans votre réalité imaginée, vous réussirez à combler l'écart entre le futur et le présent. Cependant, si de la résistance émerge dans vos dialogues intérieurs, confrontez-la comme une opportunité d'approfondir vos pensées et vos émotions. Une telle résistance peut signaler des limitations sous-jacentes, des peurs non résolues ou des doutes cachés qui doivent être reconnus et traités. Entreprenez cet exercice et constatez comment l'utilisation active et consciente de l'imagination est un outil redoutable pour démanteler les barrières intérieures, aligner nos dialogues intérieurs avec nos aspirations les plus profondes et matérialiser l'existence que nous poursuivons avec ferveur.